ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולותי, הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. Ce rire de Sarah, c'est un rire qu'on dit d'incrédulité. Moi, ce rire, je l'entends un peu différemment. אז מה יש לנו בעצם? שרה שצוחקת, הגר שבוכה, מריה שאומרת, הן לו יהי כדבריך, או משהו כזה, למלאך. Le Coran raconte lui aussi l'annonce faite à Marie. En arabe, Marie s'appelle Mariam. Et dans le Coran, elle est vierge, comme dans les évangiles. Et elle voit apparaître un esprit, Ruh, qui lui apparaît sous forme humaine, et lui annonce qu'il a été envoyé par Dieu pour lui offrir un fils. Mais ce fils, Jésus donc, en arabe on l'appelle Aïssa, ce fils est le fils de Marie, mais n'est pas le fils de Dieu. Et le Coran insiste bien là-dessus, Jésus ou Aïssa, c'est le prophète de Dieu, c'est son serviteur, il a un statut important, mais il n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Ma mère était une femme profondément religieuse et elle m'a toujours dit qu'elle était vierge. Elle m'a souvent raconté, quand j'étais petite, dans quelles conditions elle m'avait vue pour la première fois et ensuite elle avait décidé de m'adopter.